Et bonjour à tous, c'est Dovakin 117. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième journée contre Brest. Est-ce qu'on va rester sur notre lancée après notre magnifique victoire 4-0 contre Lorient? Ah, il pleut. Salut à toutes et à tous, on est à côté de Lyon en direct du Groupama Stadium. Da Silva, Da Fonseca, la team Dada est bien titulaire aujourd'hui pour vous faire vivre ce match le plus intensément possible. Allez, on y croit. Une petite deuxième victoire d'affilée, là, ça ferait du bien. Et c'est ici un magnifique spectacle qui se prépare sans autant. Les Lyonnais font des débuts plutôt corrects. Tout est un peu chaotique et en dessous des espérances. Le match d'aujourd'hui, c'est peut-être l'occasion de donner un peu plus de constance à leur trajectoire. Non, c'est pas en dessous des espérances. C'est juste qu'on s'est tapé le PSG en premier, quoi. Et le ballon pour Tagliafico. Tolisso. Les passes s'accélèrent là pour essayer de bouger le bloc adverse. Ah, dommage. Le ballon est perdu avec J'ai cru que ça allait espace. Passer. Le ballon progresse bien sur cette offensive. Allez, on défend là. Madi Camara avec le ballon. Passe pas. Allez, ce ballon non, subtilisé. Mais il est con lui. Attention à la frappe. Et oui, c'est de ça, je déteste ça. Quand ça fait ça en défense là. Bon, bah c'est mal barré. Le but, c'est la conséquence directe de cette pression sur la relance. Le ballon est repris très haut. Là, quand tu paniques et tu renvoies direct à l'adversaire, c'est... Par l'Olympique Lyonnais. C'est horrible. Maxence Cacré. Alors, il y a du nouveau sur une autre pelouse avec un but marqué. Voilà, ça va pas du tout là. Oui, 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 il s'agit du premier but. Et oui, enfin, regardez ça, ils ont tous les comptes favorables. Un but à zéro, donc après 14 minutes de jeu. Très bien, et tenez-vous au courant pour la suite du match. Non, mais non. Oui, c'est quoi ça? Nouvelle action, nouveau but. Mais quel réalisme! Ouais, j'ai rien compris, sérieux. Au départ, on s'attend à autre chose. Non, mais n'importe quoi. Ouais, je pouvais rien faire. Hein. Je dégage, ça atterrit sur l'autre, ça revient sur l'autre. Là. Non, mais c'est n'importe quoi, sérieux, des fois. Bon, bah, comment perdre un match en 5 minutes? Ceci pour éviter tout mouvement de foule. Merci de votre compréhension. Ballon vers Dembélé. Et l'offensive se construit. Cacré avec le ballon. La frappe contrée. Ah bah non, nous on n'a pas les comptes favorables, évidemment. Islam Slimani. Ah mais faut qu'il joue au loto, Brest, sérieux. Madi Camara avec le ballon. Allez, 3-0. Ouais, ça revient toujours sur eux quasiment. Ah, le ballon change de propriétaire. Le ballon, il est aimanté à eux. Non, mais je peux rien faire, hein. J'ai pas de solution, rien. Jean-Kévin Duverne. L'arbitre laisse l'avantage. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Charles Toko et Cambi. Oh, la frappe! Yes! Pour réduire l'écart, pour remplir dans cette rencontre! Le contre, c'est aussi très bon. Bah, fallait réagir tout de suite parce que sinon. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la vitesse d'exécution et la volonté de prendre tout de suite la profondeur. Arrivé là, on s'est dit que le tir est impossible. Et puis non, il arrive à se déjouer de la pareil, je l'avais là. Madi Camara. Allez, mais prends-la, putain. Islam Slimani. Putain, mais c'est pas croyable ça. Les ballons qui reviennent toujours sur eux, c'est. Dans la surface de réparation. Oh, il y a faute. Avantage, ça joue, c'est bien arbitré. L'équipe locale a le contrôle du ballon, mais le contrôle, la gestion, ça ne non. permet pas toujours de faire trembler les filets
Si tu contrôles le ballon sans aucune intensité, c'est mais con lui. Putain, c'est quoi ces passes de merde? Oui, bien joué. Très bonne lecture du jeu. Allez, on y croit là. Coco et Cambi reçoivent le ballon. Aouar, peut-être prendre. Ouh ah, sur le terrain. Première période à son terme, direction. Ça a failli rentrer quand même. Allez, on peut renverser la tendance. Et c'est parti pour cette deuxième mi-temps. Putain, mais ça m'énerve, ça, sérieux. Tu fais tout pour prendre le ballon, il n'y a rien à faire. Ah, quel dommage, ça ne donne rien. Tolisso. Ouais, c'est Vertagliafico. N'importe quoi. Change de camp. Et c'est une frappe. Non, mais le jeu, il fait des trucs pourris, des fois. Jamais ce que t'as demandé. Et un bon travail de la cellule de recrutement de Wolverhampton avec ce transfert qui vient d'être confirmé. Mais tu veux que je fasse quoi? C'est toujours délicat pour des jeunes aussi talenteux. Tout de suite, les chiffres s'affolent. Tout le monde s'emballe. Maintenant, oui. Attendons la réponse. Merci. De la verte pelouse. Alors, on va s'arrêter un instant parce qu'un but vient d'être marqué sur un autre terrain. On va voir ça ensemble. Oui, c'est le premier but en faveur d'Auxerre. Putain, j'y arrive pas. Hein. Qui est l'œuvre de Gaëtan Charbonnier après une très belle série de dribbles. Un but à zéro, donc, après 53 minutes de jeu. Ok, merci pour l'info. Allez, 3-1, c'est bon, c'est mort. Il s'en est fallu de peu pour qu'il... Heureusement qu'il y a Lopez. Et c'était sans compter sur le gardien qui anéantit provisoirement ses rêves de doubler. Corner. Non, ce corner ne donne rien. Il n'y a personne pour prendre le ballon. Non. Non, mais non. Mais c'est impossible. Ouais, c'est bon. C'est un jeu où tu peux pas défendre de toute façon. Un vrai but d'attaquant avec ce duel remporté et ensuite la conclusion pleine de lucidité. Ouais, tu peux pas la prendre le ballon. Et avec ce but marqué, le score est maintenant de 3 buts. Mais des fois, c'est impossible de prendre le ballon, sérieux. Ouais, c'est bon. On est complètement paumé là. Ça joue sur Slimani. De toute façon, Lyon, c'est soit tout, soit rien. Ah oui, allez, 4-1, qu'on en finisse. Voilà, bien joué. En plus, ils ont toutes les chances du monde. Ils sont cocus comme pas possible. Jamais vu une équipe aussi cocu. Alors, l'arrêt de jeu pour réaliser un changement. Jouer court. La frappe est bien contrée. Non mais les gars, faut jouer. Hein. Et voilà un ballon qui est... Non mais il n'y a plus d'équipe, il n'y a plus rien. Tu veux chasser quoi avec ça, sérieux? Comment tu veux gagner avec une équipe pareille? Non, de toute façon, c'est mort, on a perdu. Hein. Et à l'affiche des à moins d'un miracle. De Ligue 1, l'OL affrontera le FC Nantes. Ce sera l'occasion de voir Toko et Cambi. Oh, l'arrêt, mais c'était pas fini, attention. Ah non, mais on marque même pas là. Ce ballon dévié sort. Comment tu veux gagner? Voilà, changement donc. Il est plein d'espoir, le public avec son corner. Une bonne occasion de se remettre à l'endroit. Allez, bien frappé ce corner. Sans problème dans les... Ah, ça c'est cadeau pour le gardien. Alors, on signale un but. Ah bah oui, bien sûr. D'autres matchs, on va aller aux nouvelles afin d'en savoir un petit peu plus. Et oui, avec le deuxième but en faveur de Rennes, un but attribué à Arnaud Kalimuendo, un but... Bon bah moi légende, j'y arrive pas. Il n'avait plus qu'à pousser. Ça continue, je vais repasser en champion. Attention, c'était pas fini. Tranquille. C'est simple pour conclure cette séquence. A noter cette première intervention absolument magnifique, mais qui n'avait pas tout à fait mis fin à l'offensive. C'est maintenant chose faite. Pas de solution. Le ballon pour Romain Fèvre.
Ballon pour Cherki. Oh, il y a faute. C'est bien défendu. Le ballon est récupéré. Oh, le tir. Non, mais c'est pas possible. L'arrêt du gardien, mais c'était pas terminé. Tu marques pas là, tu marques jamais. Ouais, ça n'ira pas plus loin. Jeffrey Adelaide avec la balle. Hein ? Et voilà une interception décisive. C'était impossible qu'il prenne le ballon. Désolé de vous avoir interrompu. À une petite confirmation, ce but. Bon, bah c'est fini. Hein. Marqué par le Stade Rennais, leur avance se creuse avec ce score de 2-0. Soit tout, soit rien. Islam Slimani avec le. Allez, 4-1. Ouais, quelle interception, il fallait intervenir. Voilà, c'est maintenant officiel, on jouera une minute de temps additionnel. Soit ça sert à rien de marquer maintenant. Le concert final est donc la fin du temps réglementaire, la défaite pour l'Olympique de Lyon. Leur début de saison est vraiment trop bon pour espérer quelque chose. Cette défaite vient confirmer une dynamique assez néfaste. Bon, bah on a perdu contre une équipe cocu, quoi. Tous leurs buts, ils sont cocus quasiment. D'accord, c'est une performance assez moyenne de sa part. Madi Camara avec le ballon. Ça revient toujours sur eux, ils n'ont plus qu'à tirer dans la cage. Ce ballon est civilisé, in extremis. On va se faire limoger, à pas tarder. Merci à vous d'avoir accepté de nous répondre avant de regagner le vestiaire. Les consignes n'ont pas été suivies. L'adversaire a levé toutes les semaines avec son dernier but. Ouais. Alors, ils ont été meilleurs, hein, mais bon, ça fait mal de le dire, mais bon. Ils ont marqué au bon moment. On va mettre ça plutôt. Je pensais arrêter Pereira, l'âge. Mais c'est qui lui? Ben, c'est celui qui a marqué. On a montré les décevants. Voilà, c'est tout. Merci encore. Voilà, voilà. Allez, on se retrouve pour le prochain match qui sera contre Nantes. Et classement, bah, on est 13e. Ça, pas du tout.